Allô? Vous n'avez pas voulu payer, vous avez eu tort, car maintenant la police vous recherche. Pas envie de m'embrasser. Puis chacun est libre de faire ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Tu pourrais peut-être sortir toute nue pendant que tu y es. J'aimerais bien, tu vois. Quand je suis toute nue, ça m'enlève tous mes complexes. Tu peux pas comprendre ça, toi, tu es pas une femme. Ah! Tu sais pas de nous raconter des histoires, des témoins t'ont vu. C'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure. Hervé, jure-moi que tu n'as pas tué cette femme. Je te le jure. Eux, au moins, avaient une raison de la tuer. Ah oui? Ah bon, enfin, j'en sais rien, d'ailleurs, je le suppose. Mais moi, j'en avais aucune. Et je n'ai jamais vu ce monsieur parmi les relations de ma femme. En tout cas, ce n'est pas celui qui est venu hier. Et alors? Vous ne reconnaissez pas votre petite amie Anita? Qu'est-ce que vous dites? Ça ne peut pas être la police, c'est un piège, attention. Les commissaires de police, je les imaginais tout à fait différents. Beaucoup plus âgés d'une part, et surtout, beaucoup moins séduisant. Espèce de Marie Chantal! Qu'est-ce que vous allez me faire? Mettre un pansement? Ah non, 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 je ne supporte pas la fraise. J'en suis à vous, ce ne sera pas long. Non! Oh, quelle chevelure, quelle jambe, quelle taille! Ah. Voulez-vous venir une seconde, mademoiselle? Je voudrais vous dire un mot. Il y a là un monsieur qui dit avoir rendez-vous avec vous. Je suis allée au Sexy Club, l'endroit où tu voulais pas m'amener. Il y avait des striptease, des cochons. Tu peux pas savoir.